commence le processus pour nous lister en bourse en juillet. Donc, Azodi nous peut mettre en vente 25% de nos bannes actions pour bannes individuelles, mais aussi pour bannes institutions qui sont intéressées à investir dans MTL. MTL est une compagnie qui fait une paye dividende à ce ban actionnaire presque tous les ans. Donc, ça l'année-là-ci, nous pouvons payer environ 700 millions de roupies en termes de dividendes, certainement sujet à la performance et l'approbation du board. Nous pouvons déclarer nos dividendes en décembre. Donc, les gens qui investissent maintenant là, de tenir une grande chance pour gagner un dividende la fin de l'année. C'est une opportunité pour les gens qui investissent dans le premier opérateur télécom qui peut lister en bourse et première compagnie technologique qui peut lister en bourse dans Maurice. Pour les gens qui ont envie d'acheter, je vous invite à un investment broker. Nous avons 6 investment brokers. Nos prospectus sont disponibles sur nos websites. Nos application forms sont disponibles sur nos websites. C'est un long parcours. Jamais j'aurais pensé qu'on arriverait si loin. Au début, c'était assez difficile. Mais je dois dire qu'on a persévéré et je suis bien content et fier du résultat. Vous savez, MTEL, c'est une compagnie nationale et on pense qu'on doit partager cette compagnie avec les gens de Maurice et développer ça encore plus loin avec le support national.